être célébré. Il est le seul, l'unique, le véritable. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Il est ton sauveur réel et véritable ce soir. Et tu fais bien de le louer. Père, bénis ta parole. Parle-nous ce soir encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut 20 personnes. Oh, 20 personnes ici lit déjà. Alléluia. Amen. Les cultes du dimanche sont tellement speed qu'on n'a pas tout le temps d'adorer, de danser. Alors on récupère en semaine. Amen. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient dimanche et dit bon dimanche, mercredi, vendredi, récupération. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors qu'on était en train d'intercéder, j'ai senti une grande percée spirituelle. Et je crois que nous allons vivre ces choses que nous avons demandées ce soir. Oui, je le crois, je le crois, je le crois. Amen. On avait un grand problème, ben, on ne vous avait pas dit, on vous avait caché, mais avec l'achat parcelle, à la fin, ça a failli se compliquer un tout petit peu entre les héritiers qui ne s'entendaient plus, qui ont failli tout remettre en question. Mais hier, nous étions en réunion avec eux. Mardi, on avait pris avec les présidents et vice-présidents par rapport à cela. Et hier, nous étions en réunion, tous les problèmes sont résolus. Alléluia. J'aime annoncer très haut ce que Dieu fait dans le secret pour lui dire que je n'ai pas peur que les choses changent. C'est ça la foi. Des fois, un excès de prudence et de l'incrédulité. Et nous bénissons Dieu pour cela parce que c'était vraiment compliqué. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer ces enseignements sur comment vaincre l'esprit de divorce. C'est pas que j'aurai tout dit, mais je veux dire l'essentiel. Et tout sera, ben, pas tout ce qui existe dans ce domaine, mais tout ce que Dieu m'a inspiré sera dans le livre qui paraîtra très bientôt. Aujourd'hui, je serai un peu long. J'ai 13 choses à dire. Et j'espère que je vais vraiment terminer aujourd'hui. Et je ne veux pas introduire directement, je vais entrer dans le développement. Amen. Afin de gagner le temps. Depuis le dimanche jusqu'au mercredi, je crois que j'ai parlé des 12 choses. Amen. Le dimanche c'était 5, le mercredi c'était 7. Et aujourd'hui je vais ajouter 13, ça fera 25 et nous allons terminer. Qui sont en train d'être bénis pendant ces séminaires? Gloire à Dieu. Nous ne donnons pas cet enseignement pour détruire des couples, mais pour réparer les couples. Amen. Même si des fois je dis des choses qui dérangent ton couple, qui révèlent une maladie dans ton couple, ce n'est pas que tu puisses divorcer, non. C'est pour seulement révéler la maladie afin que tu puisses soigner. Amen. Mais pour toi qui es célibataire, si pendant que je parle, je dérange tes fiançailles, toi fais attention. Il se peut que pendant ce séminaire, tu dois t'arrêter. Amen. Les gens qui m'écoutent très bien pendant ces séminaires, certains doivent arrêter leur fiançailles. Oui, oui. Parce que si tu es célibataire, toi, tu as le droit d'arrêter les choses. Et si tu t'es rendu compte pendant ce séminaire que vraiment tu étais dans un mauvais choix, prends le courage de tout arrêter. Amen. Mais si tu t'es rendu compte pendant ce séminaire que tu as fait un bon choix, eh bien, sois déterminé, va jusqu'au bout. Aujourd'hui, treizièmement, par rapport aux 25 choses que je dois dire, ne dormez pas sur vos lauriers, car la guerre ne prendra fin au retour de Christ ou à votre mort. Ne dormez pas sur vos lauriers, car la guerre ne prendra fin au retour de Christ ou à la mort.
Dormir sur son laurier, c'est une expression qui est donnée au sujet de quelqu'un qui se repose avant le temps. C'est une expression lorsque quelqu'un se repose en pleine guerre, lorsqu'il remporte une bataille, il pense que la guerre est finie. Et il y a des couples qui divorcent parce qu'ils dorment sur leur laurier. Ils pensent que le diable les a oubliés, ils pensent que les sorciers les ont oubliés, ils pensent que Satan s'occupe des autres sauf d'eux. Parce que tout va bien chez eux, ils pensent que le diable ne s'occupe que du voisin. J'aime un verset dans Luc 4, verset 13. La Bible dit, Luc 4, verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. » Souvent, lorsque nous parlons de la tentation de Jésus-Christ, nous pensons que le diable a tenté Jésus seulement au désert. Ce n'est pas ça. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible dit que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Cela révèle ceci, que la seule tentation de Jésus, ce n'était pas dans le désert. Après le désert, Satan a continué à tenter Jésus. Même lorsqu'il a été entré en pierre pour s'opposer à la crucifixion de Jésus, c'était une tentation qu'il puisse refuser de boire la coupe. Et la Bible précise que le diable, après avoir tenté Jésus-Christ, lui demandant de changer la pierre en pain, de se jeter du haut du temple, de l'adorer, il s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Donc, il s'est éloigné pour un temps et il allait encore revenir. Donc, il est revenu de plusieurs manières pour tenter Jésus. Tu peux avoir un couple stable pendant 10 ans, je t'acclame, que Dieu te bénisse, mais ne pense pas que Satan t'a oublié. Nous connaissons des couples qui basculent après 20 ans de mariage. Nous connaissons des couples qui basculent après 30 ans. Nous connaissons d'autres qui divorcent même après 40 ans de mariage parce qu'ils ont baissé la garde. Ne baissez pas la garde. Amen. Hein? Ne baissez jamais. Même si ton couple est en bonne santé, veille sur ton couple. Veille sur ton mari, veille sur ta femme, veille sur tes enfants. Continue à faire des efforts. Amen. Hein? Continue à te discipliner. Continue. Si on parle de la chute de David, si on parle de la chute de Salomon, si on parle de la chute des grands hommes spirituels, c'est pour nous prévenir que le diable est un impoli qui ne respecte personne. Amen. S'il attaque un couple de 2 ans, il attaquera aussi un couple de 30 ans. Nous avons des gens qui divorcent, qui laissent des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, mais nous voyons aussi des gens qui divorcent, leurs enfants se sont déjà mariés, mais ils divorcent malgré cela. Veillez jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort, tu continues à être fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, tu continues à garder ta garde très bien élevée. 14e principe. Éviter les mauvaises pensées et le second regard. Proverbe 15, verset 26 nous dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Proverbe 6, 23 à 26, Proverbe 6, 23 à 26, la Bible dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, c'est-à-dire qu'elle amène la pauvreté, et la femme mariée, c'est-à-dire la femme d'autrui, tend un piège à la vie précieuse. Alléluia. Si tu veux vaincre l'esprit de divorce, tu dois éviter les mauvaises pensées.
Ne sois pas quelqu'un, tu es marié, mais dans ton cœur. C'est pas que tu fais rien, mais tu fais tout dans ton cœur. Bien-aimé, celui qui trompe son mari dans son cœur l'a réellement trompé pour Dieu. Celui qui trompe sa femme dans son cœur l'a réellement fait. Lorsque tu regardes le mari d'autrui avec convoitise, tu as commis l'adultère avec lui. Lorsque tu regardes la femme d'autrui avec convoitise, tu as commis l'adultère avec elle. L'adultère, le divorce commence toujours dans le cœur, une convoitise. Tu commences à aimer ce qui n'est pas à toi. Tu commences à regarder ce qui t'est interdit. C'est ce que Ève a fait. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Mais elle a regardé ce qu'elle ne devait pas manger, c'est ça. Elle n'a pas mangé, mais elle a commencé à regarder ce qu'elle ne devait pas manger et elle a fini par manger. Lorsque tu commences à regarder très mal les femmes, les hommes, déjà il y a une sémence, un processus de divorce qui a commencé en toi. Rien que le regard. Et il y a ce qu'on appelle le second regard. Le premier regard souvent est bon. Lorsque tu regardes une personne pour la première fois, c'est bon. Mais il y a un second regard qui te pousse toujours à regarder l'autre lorsqu'il est passé. Regardez toujours l'autre de dos. Souvent, les hommes aiment regarder les femmes de dos. Quand elle vient, il attend que cette femme passe et puis il la regarde de dos. Lorsque tu es un homme marié, tu as cette habitude-là. Déjà, tu as des gènes d'impudicité, d'adultère et de divorce en toi. Si tu veux conserver ton mariage, tu dois veiller sur ta pensée et sur tes yeux. L'homme qui veille sur ses pensées et sur son regard veillera sur son foyer. C'est pourquoi je dis aussi à ceux qui sont ici, qui ne sont pas mariés, si déjà dans le célibat, tu as une maladie, ton regard n'est pas fixe, ton regard est indiscipliné alors que tu es célibataire, tu regardes toujours les femmes très très mal. Si tu ne traites pas ça maintenant, même si tu te maries, tu vas continuer à mal regarder les femmes. Et cela va t'amener un jour à convoiter une femme qui n'est pas ta femme et à convoiter un homme qui n'est pas ton mari. Et ce qui amène les gens dans le couple, il couche avec sa femme en pensant à une autre femme. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Lorsque Jacob couchait avec Léa, il pensait à Rachel. Chaque fois, maman, papa, que tu couches avec ton épouse, avec ton époux, mais ta pensée n'est pas concentrée sur ta femme, concentrée sur ton mari. Mais tu penses à tes ex, tu penses à une femme, tu penses à un homme afin d'avoir de la satisfaction. Tu es en train de commettre l'adultère pendant que tu es en train de t'unir avec ton mari et ta femme. Retenez cela très très bien. C'est pourquoi je suis contre la pornographie, car la pornographie amène cela où un homme couche avec sa femme, mais en pensant à une femme qu'il a vue à la télévision, une femme couche avec son mari, mais en pensant à un homme qu'elle a vu à la télévision, c'est de l'adultère, c'est de l'impudicité, parce que la pensée pour Dieu est égale à l'action. Amen, hein? C'est pourquoi vous qui êtes célibataire et qui vous livrez à la pornographie, faites très attention. Vous risquez, lorsque vous allez vous marier, de commencer à coucher avec ces femmes que vous avez vues à la télé et sur Internet, de sorte que pour que tu puisses avoir la jouissance, tu dois te remémorer ces mauvaises images et les ramener dans le présent. Et cela amène l'adultère en pensée et peut amener l'adultère physiquement. Vous m'entendez? Alléluia! Chaque fois que tu viens à l'église, on t'interdit des choses. Ce n'est pas qu'on vient pour te déranger, c'est pour ton bien. Alléluia, car il est possible que tu puisses détruire ton futur dans le présent. Amen. Évitez les mauvaises pensées. Quand tu vois une pensée de convoitise venir, il faut la refuser. Tu n'as même pas causé avec elle. Tu dois directement refuser.
tu ne dois pas commencer à te plaire, à commencer à fantasmer sur des hommes qui ne sont pas ton mari, sur des femmes qui ne sont pas ta femme. Tu dois inculquer à ta pensée la soumission à Dieu. Comme David a dit, mon âme loue l'Éternel. Amen. Hein? Il dit à son âme, tu dois te soumettre à l'Éternel. Si tu ne disciplines pas tes pensées, tu ne disciplines pas ton regard, je te dis que tu seras en horreur à l'Éternel, car la Bible dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées, on ne dit pas les actions, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Et la Bible dit, ne convoite pas la femme étrangère, même si elle est belle. Même si cette femme est plus belle que ta femme, même si cet homme est plus beau que ton mari, ne le convoite pas, car la Bible dit, elle tend un piège à la vie précieuse. Beaucoup de gens finiront en enfer rien que pour leurs pensées et rien que pour leurs regards. Car beaucoup pensent que la sanctification ne se limite qu'aux actions, alors que la sanctification commence dans les pensées et dans le regard. Quinzièmement, ôtez vos masques et cessez de faire semblant. Si vous voulez vaincre l'esprit de divorce, ôtez vos masques et cessez de faire semblant. Dans Jean 9, verset 41, la Bible dit, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Et même le monde dit, il n'y a pas de pire aveugle que l'aveugle qui prétend voir. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Beaucoup de couples sont comme des tombeaux blanchis. Vous faites semblant. Votre couple ne va pas bien, mais vous jouez à des couples en bonne santé. Un malade qui ne reconnaît pas être malade ne va pas à l'hôpital. Alléluia! Un malade qui ne reconnaît pas sa maladie ne va pas à l'hôpital. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a trouvé des pharisiens qui connaissaient la loi intellectuellement, mais qui ne l'avaient pas dans le cœur. Et ils se comportaient comme s'ils étaient des saints, alors qu'ils avaient besoin d'être sauvés comme tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas pu les sauver, parce qu'ils pensaient déjà être sauvés. Et il y a des couples comme ça, qui veulent jouer au bon couple, alors que ça va mal. Voici ce qui arrive dans un couple lorsque vous faites semblant. C'est comme un cancer. Une petite plaie, vous ne la soignez pas, ça prend une année, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis ça crée une amputation. Lorsque votre couple va mal, traitez le problème à temps. Amen. Écoutez ceci. Je ne prêche pas une fausse paix dans les foyers. Amen. Hein? Il y a des paix qui sont provoquées par l'hypocrisie. Ton mari fait des choses qui t'énervent, mais tu dis tout va bien. Ta femme fait des choses qui t'énervent et au nom de la fausse paix, tu fermes les yeux. Non, moi je ne fais pas ça. Lorsque mon épouse fait des choses que je n'aime pas, j'attends que les gens partent. Après, je lui dis directement, je ne peux pas dormir si je ne lui dis pas. Je n'ai pas aimé ceci. Elle aussi, si je fais quelque chose qui ne lui a pas plu pendant la journée, elle me le dit. Comme ça, nous traitons les problèmes, nous avançons. Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples? Il y a des problèmes d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Vous faites semblant de vous entendre alors que tu lui reproches telle chose, il te reproche telle chose, elle te reproche telle chose. Vous gardez ça deux ans, trois ans, quatre ans et puis un jour ça crée l'explosion. Pourquoi? Vous refusez la guerre qui amène la paix. Car des fois dans le couple, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Des fois dans le couple, il faut perdre la paix pendant même un jour pour avoir la paix pendant toute une année. Mais des fois, les chrétiens, ils veulent tout le temps des fausses paix.
Est-ce que tout va bien? Tout va bien et tout va bien. Non, ton mari rentre tout le temps à 23h. Tout le temps 23h. Tout le temps 23h. Est-ce que ça va? Non, je ne comprends pas. Ton boulot prend fin à 17h. Où est-ce que tu vas de 17h à 23h? Tu ne veux pas poser telle question parce que tu ne veux pas de problème. Mais toi, quand tu sors avec un parfum d'homme. Tu rentres avec un parfum de femme. Tu ne poses jamais ces questions parce que tu ne veux pas des problèmes. Tu as déjà des problèmes. Même si tu ne veux pas des problèmes, tu as déjà des problèmes. Alléluia. Quand vous faites semblant, l'ennemi va commencer à couper vos racines périodiquement jusqu'à ce qu'un jour la tempête va vous faire tomber. Ne soyez pas des couples d'hypocrites. Jésus-Christ demandait seulement une chose aux pharisiens. Reconnaissez que vous êtes malade et je veux vous soigner et je veux vous aider. Mais eux voulaient paraître saints alors qu'au-dedans c'était la pourriture. Enlevez ce masque qu'il y a dans votre couple, ce masque de bonheur qui n'est pas du bonheur, ce masque d'entente alors qu'il n'y a pas d'entente, ce masque-là, enlevez-le. Et je ne dis pas de l'enlever devant les gens, non. Ou vous venez vous montrer à tout le monde que vous avez des problèmes dans votre couple, non. J'ai parlé de la discrétion, mais entre vous, amen, hein, entre vous, il y a des femmes qui ont trop peur de leur mari, trop peur de leur... Tu n'es pas l'esclave de ton mari. Alléluia. Tu n'es pas esclave de ton mari. Moi, je ne prêche pas ça. Je ne prêche pas cette autorité de l'homme qui domine sur sa femme et sa femme est tellement malheureuse qu'elle ne peut pas dire non, non, maman, si tu es malheureuse dans le foyer, fais asseoir cet homme qui t'a promis le bonheur. Dis-lui, je ne suis pas heureuse. Il te doit cela. Papa, tu épouses une femme, elle ne te rend pas heureuse. Ne dis pas, si je lui dis que je ne suis pas heureux, elle sera blessée. Dis-lui, vraiment, on est mariés, mais je ne suis pas heureux. Dis-lui cela. Les Africains ont fait que des semblants et des semblants et des semblants. Mais sachez ceci, lorsque tu n'es pas heureux dans ton foyer, ça se voit. Ça se voit. Les gens qui ont la sagesse et l'intelligence peuvent seulement voir. Ils voient, ils peuvent voir. Ah oui, ça transparaît toujours le manque de bonheur dans le couple. Lorsque tu n'as pas de bonheur dans le couple, quelqu'un qui a la sagesse et l'intelligence peut te regarder et il peut savoir. Maintenant, si les hommes sages peuvent savoir, sachez aussi que les kamikazes aussi peuvent savoir. Une kamikaze peut détecter un homme qui est malheureux. Voyez un homme, il vient, il a toujours des cols sales, des cols sales. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça va? Ça va? Rien que la saleté de tes chemises peut révéler que tu n'es pas heureux. Vous savez ça? Une femme tout le temps débraillée, il y a un problème. Parce que quand la femme, on l'aime, elle s'arrange. Je te dis, une femme heureuse, elle se rend toujours belle. Le bonheur pousse une femme à s'embellir. Ah oui? Mais tu vois, une femme, avant de se marier, elle était très coquette. Depuis qu'elle se marie, elle s'abandonne, elle se délaisse. Même sans prophétie, il y a un problème. Alors, il y a des personnes qui savent ça et ils peuvent t'attaquer. Prenez le temps de vous asseoir et de dire, je ne suis pas heureuse ou heureux à cause de ceci. Amen, hein? C'est pas non plus que tu vas demander à l'autre la lune ou de t'offrir le soleil. Amen. Mais tu parles des choses réelles que l'autre peut changer. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Tu me parles pas bien. Ça, tu peux changer, non? Le langage. Est-ce que ça tue quelqu'un de changer? Amen. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Non, tu me manques du respect. Je veux une femme soumise. Maman, est-ce que ça te tue d'être soumise? Moi, si j'étais une femme, j'allais être soumise. Mais je vous dis, mais des fois les femmes, je ne vous comprends pas. Les hommes vous demandent la soumission. Mais quand tu donnes la soumission, tu reçois plus que ce que tu as donné. C'est une bonne sémence. On récolte au centime. Alléluia. Aussi, lorsque Dieu vous conduit vers d'autres personnes qui peuvent vous aider, ne faites pas semblant. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre seul, mais il y a d'autres qu'on ne peut plus résoudre seul. Il faut l'intervention des personnes sages. Je vous assure. Des fois, vous voulez que les tribunaux puissent traiter vos problèmes, mais vous ne venez pas consulter la sagesse de l'Église. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas oint seulement pour chasser les démons. Dieu ne nous a pas seulement oint pour communiquer l'onction. Dieu nous a aussi oint pour arranger vos couples. Mais quand vous avez des problèmes dans vos couples, vous les gardez pendant des années et des années, et quand ça explose, c'est lorsque vous venez chercher notre intervention, des fois on trouve que des miettes à coller. Il faut venir à temps. Amen. Hein?
Ne jouez pas aux heureux si vous ne l'êtes pas. Ça finira un jour par se manifester. Ça finira un jour. Une autre chose. Faites de la Bible la constitution de votre famille. Éduquez vos enfants sur base de la Bible. Méditez la Bible chez vous à la maison. Partagez la Bible chez vous à la maison. Lisez la Bible chez vous à la maison. Car la Bible a la capacité de renouveler notre intelligence, de renouveler notre culture, de nous accorder la sagesse, de nous conseiller. Tu peux prendre une mauvaise décision, tu vas seulement, tu médites la parole et la Bible te parle de la patience et du pardon et tu pardonnes à ta femme, tu pardonnes à ton mari. La Bible nous libère des mauvaises décisions. La Bible nous donne les secrets du bonheur. Et la Bible dit, c'est de la plénitude du cœur que la bouche parle. Lorsque ton cœur est rempli de la Bible, tu parleras la Bible. Amen. Ainsi, tu n'auras pas de mauvaises réponses dans le foyer parce que ton cœur est tellement rempli de la Bible que tu n'auras pas de mauvaises réponses à donner à ton mari, à donner à ta femme. Faites de la Bible la constitution de votre famille. Josué 1, verset 8 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le mariage, n'est-ce pas que c'est une entreprise? Alléluia. Celui qui médite la Bible réussira même dans l'entreprise mariage parce que la Bible te donnera la sagesse et l'intelligence pour bâtir cette entreprise mariage. Et Luc 6, verset 45 nous dit, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Souvent, les couples ne lisent pas la Bible ensemble. C'est rare des couples qui lisent la Bible ensemble où monsieur et madame mettent la Bible là et commencent à la méditer. Où madame lit la Bible, elle vient vers son mari. « Ah, je viens de méditer tel verset. Ah, ça m'a béni. » Le mari lit la Bible, il vient dire à sa femme, « Ah, tel verset. Non, 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 je viens de comprendre. » C'est rare dans les couples. C'est pourquoi vous vous chamaillez. Un couple qui partage la Bible n'a pas le temps de se chamailler parce que vous parlez des Écritures. Celui-ci le matin lit la Bible, l'autre, et puis vous êtes en train de vous enrichir. « Oh non, mais j'aimerais prêcher ceci. Comment tu penses cela ?» Et ça fait que vous grandissez. Nous avons le temps de regarder la télévision ensemble, les couples. Nous avons le temps de sortir ensemble, aller au restaurant ensemble. Mais partager la Bible, c'est un problème. Comment est-ce que vous allez réussir? On vous donne la Bible le jour du mariage, non pas pour décorer vos maisons, mais pour vous dire, lisez cette Bible, remplissez vos cœurs de cette Bible. Quand je lis dans la Bible que celui qui insulte son frère, qu'il appelle insensé, qu'il appelle sot et punissable de la gêne, comment je vais insulter ma femme? Quelqu'un qui a bien lu la Bible ne peut pas insulter sa femme, ne peut pas insulter son mari parce que tu sais que la Bible interdit d'insulter une créature de Dieu. Tu peux te réveiller avec une mauvaise humeur, mais quand tu vas prier et tu lis la parole de Dieu, du coup ça te corrige. Et lorsque tu rentres vers ta femme ou ton mari, du coup tu changes. Mais le problème c'est que les couples chrétiens ne sont plus bibliques. Ne sont plus bibliques. C'est maintenant la philosophie des hommes. Ce sont des pensées reçues à la télévision, reçues par tel philosophe et tout qu'on ramène dans le couple. Mais souvent ce n'est pas « il est écrit ». Si dans vos couples, vous commencez à dire « la Bible dit, la Bible dit, Dieu dit, la Bible dit, la Bible dit », vous aurez du mal à vous chamailler. Mais souvent, la Bible chôme dans les maisons. Ce n'est pas la constitution. Et même quand on éduque les enfants, ce n'est pas sur base de la Bible. Et les enfants n'ont pas des problèmes souvent. Il y a un temps, j'achetais à mes enfants des jouets comme ils voulaient. « On veut ceci, j'achète. » Et puis quand j'ai commencé à prier, j'ai compris que je ne pouvais pas acheter à mes enfants tous les jouets qu'ils voulaient. Tout jouet qui peut être occulte, satanique, même si c'est le jouet qui est à la mode, je ne peux pas. Et puis je suis allé leur dire, tel jouet, c'est démoniaque, c'est satanique. Oh, Dragon Ball, ou les mignons, tout. Prenez, brûlez. Les enfants ont fait ça. Ils sont allés chercher tous ces jouets, eux-mêmes commencent à les donner. Brûlez ça, même ce polo. On a dessiné des choses, eux-mêmes. Les enfants nous suivent.
Et lorsque vous bâtissez vos couples sur la Bible et vous voulez divorcer, même vos enfants vont vous ramener dans la parole. Il est écrit. Moi, j'ai parlé à mes parents, je leur ai dit, la Bible dit, si vous faites là, Dieu va vous frapper. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Quand la Bible est au centre du foyer, les enfants connaissent les Écritures et ils vont commencer à vous ramener. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, les enfants connaissent la Bible plus que leurs parents? Mais si vous n'amenez pas la Bible à la maison, même les enfants ne sauront pas être des disciples qui vont vous ramener vers la parole. Ramenez la Bible dans vos foyers. Des fois, nous nous plaignons, Dieu n'agit pas. Mais la Bible dit à Josué, si tu veux réussir, médite cette parole. Est-ce que vous méditez la Bible dans votre maison pour réussir dans votre foyer? Des fois, un seul verset de la Bible peut changer l'atmosphère de la maison. Tu lis la Bible, tu comprends un secret seulement dans la parole où tu te rends compte, non, maintenant je dois me taire. Dieu te dit, tais-toi, je combattrai pour toi. Et tu dis, j'applique cette parole, c'est mon réma. Tout ce qu'il fait, tu te tais. Tu te tais, et puis tu remportes la victoire. Des fois, vous voulez trop les prophètes. Les familles, vous voulez trop les prophètes. Alors qu'il y a la prophétie des prophéties, la Bible. Les prophètes sont dans vos maisons tous les jours, et ils vous mentent. Et ils divisent vos maisons. Au lieu de lire la Bible qui est le grand prophète, la plus grande prophétesse. Qu'est-ce qu'un prophète dira que la Bible n'a pas révélé? Le problème, c'est que nous ne lisons pas la Bible. Et comme maintenant tu ne lis pas la Bible, un prophète peut te dire, ce n'est pas ta femme, c'est une sorcière, prends une autre. Il n'y a pas une prophétie qui puisse être élevée au-dessus de la parole. Si un prophète prophétise, ce qui contredit la parole, c'est un faux prophète. Un prophète ne peut pas prophétiser le divorce parce que Dieu est contre le divorce. Et un prophète ne va pas venir te révéler la femme de ta vie dans le mariage. Il fallait qu'il révèle cette femme avant le mariage. Toi, tu viens en retard. J'ai déjà clôturé. Maintenant, tu veux que je recommence la maison. Alléluia. Votre Bible là, prenez-la, mettez-la à côté de vos lits. Amen. Tu vas là où tu dors, prends maintenant la Bible, tu la mets à droite. Amen. Le mari prend la Bible, il met à la gauche. Quand vous vous réveillez, vous l'ouvrez la Bible au lieu d'ouvrir WhatsApp et Facebook. Alléluia. Oui, on se réveille, WhatsApp, Facebook, et on ne se réveille pas, Bible. Et comment est-ce que le Dieu de la Bible va intervenir? C'est le Dieu de WhatsApp et de Facebook qui va intervenir. Et le Dieu de Facebook, c'est qui? C'est pourquoi il y a des couples Facebook, des couples WhatsApp. Tu n'as pas encore reçu la nouvelle du ciel, tu reçois déjà un SMS. Et l'SMS détruit toute ta journée. Mais si tu avais ouvert la parole, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Alléluia. Lisez la Bible. Je dis lisez la Bible. Papa, maman, lisez la Bible. Vous lisez trop les SMS. Lisez la Bible. Et vous verrez le Dieu de la Bible dans vos foyers. Ayez un temps dans votre maison où tu te retires et tu es avec la Bible. C'est le plus grand parrain. Le plus grand parrain. La Bible, il te donnera des conseils que la marraine et les parrains ne peuvent jamais donner. Acclamons la Bible. Ne lisez pas seulement la Bible ensemble, 17e. Priez ensemble. Ayez le temps de prier avec les enfants, mais aussi le temps de prier vous deux. C'est rare les couples où maman et papa se tiennent les mains et prient. C'est rare. On a le temps de se chamailler, de se disputer, mais on n'a pas le temps de prier ensemble. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il est déjà décédé, Kenneth Hagin, il avait dit ceci. Là, j'étais célibataire et ça m'avait béni. Et j'ai dit, moi aussi, quand je veux me marier, je commence à faire ça. Il a dit que s'il demande à Dieu une chose tout seul, cette chose arrive, mais lentement. Mais si seulement il s'accorde avec sa femme et prie quelques minutes avec sa femme, il dit, chérie, j'aimerais que Dieu fasse ceci dans mon ministère, j'aimerais qu'on s'accorde, qu'on demande. Si seulement ils prient ensemble, cette chose arrive rapidement. Et je vous dis, je l'ai expérimenté. Quand je prie seul pour demander une chose dans le secret, moi et Dieu, Dieu le fait, mais lentement. Mais si je dis à ma femme, j'aimerais ceci, prions, accordons-nous pour cela.
si on prie quelques minutes, nous vivons cela. Pourquoi? Il y a de la puissance dans la prière en accord. Tu vois, ta femme, ce n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi, c'est ton partenaire de prière. Souvent dans les couples, on a des partenaires de prière ailleurs. Tu pries avec telle maman, tu pries avec tel papa, tu pries avec tel frère, mais tu ne pries pas avec ta femme, tu ne pries pas avec ton mari. Tu ne pries pas avec ta femme, tu ne pries pas avec ton mari. Vous avez le temps de faire tout, sauf de prier ensemble. C'est le diable. C'est le diable qui vous paralyse. Comment est-ce que on peut tout faire ensemble, sauf prier? Une lourdeur bizarre. S'il s'agit de prier, tout d'un coup, on est lourd de prier. Mais on est capable de tout faire, mais sauf de prier. C'est un esprit qui vous empêche de vous accorder pour vous opposer à l'ennemi et pour remporter des victoires. Priez ensemble. Ayez cette passion de prier ensemble. Recherche toujours l'autre pour prier. Recherche toujours ta femme pour prier. Ce n'est pas bon, tu as ta propre vie de prière seule. Alors que tu as épousé une femme, tu as épousé un mari. Apprenez à vous accorder pour prier et pour chercher Dieu. Il y a des choses que Dieu allait faire depuis longtemps dans vos foyers si vous priez ensemble. Lorsque tu pries avec ta femme, ton mari, tu appuies sur l'accélérateur. Alléluia. Tu mets le turbo spirituel. Mais le diable n'aime pas. Il n'aime pas qu'un homme prie avec sa femme. Il n'aime pas qu'une femme prie avec son mari. Il peut vous laisser regarder la télé. Il peut vous regarder tout faire. Aller au restaurant. Avoir des intimités comme vous voulez. Mais quand il s'agit de prier, il veut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que là, vous allez le vaincre. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez à la maison, avant de dormir, cherche ta femme, cherche ton mari, dis, prions. Prions pour quoi? Prions pour notre couple, prions pour nos enfants, prions pour nos projets. Alléluia. Et si vous commencez à prier ensemble, vous allez voir les problèmes que vous avez, les tensions qui existent entre vous vont disparaître parce que c'est difficile au Kangela, partenaire à prière Kanda. Alléluia. Si vous ne causez pas et vous devez prier, vous devez causer, n'est-ce pas? Parce que c'est impossible de prier sans causer. Comment tu vas donner la requête? Tobundul. Requête nune. Ayomo yepi. Vous allez faire ça? Alors si déjà vous priez ensemble chaque nuit, tu voudras arranger avec elle avant la prière parce que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans se mettre d'accord. Le problème des couples, les couples sortent ensemble, regardent la télé ensemble, causent ensemble, mangent ensemble, font tout ensemble, dorment ensemble, mais ne prient pas ensemble. C'est pourquoi l'ennemi est en train de vous détruire. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Il te donne une arme, tu ne l'utilises pas. C'est pas sa faute. Et on dit, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Bien aimé, Dieu te donne la nourriture, et puis tu dis, Seigneur, merci pour la nourriture. Dieu te donne l'arme, dit prie avec ta femme, prie avec ton mari. Toi tu ne fais pas. Ton foyer commence à mourir. Oh Dieu ne m'aime pas. Est-ce que tu vas dire que Dieu ne t'aime pas parce qu'il ne fait pas que la mangue puisse tomber dans ta bouche? Lui il fait que la mangue puisse mûrir. C'est à toi maintenant d'aller la cueillir, de la couper et de la manger. Alléluia. Ne vous plaignez jamais devant Dieu. Dieu ne m'aime pas. Dieu aime tout le monde. Lorsque ça ne fonctionne pas, ce n'est jamais à notre niveau. Ce n'est jamais au niveau de Dieu. C'est toujours à notre niveau. Dieu n'a jamais tort. Je dis Dieu n'a jamais tort. Je dis Dieu n'a jamais tort. C'est souvent l'homme qui est paresseux, qui n'utilise pas toutes les méthodes que Dieu lui donne. Amen. 18. Ça, je l'avais dit, je crois, mercredi dans une parenthèse. C'est pourquoi je ne vais pas trop insister dessus. Il ne faut pas vous moquer de ceux qui divorcent. Amen. Il ne faut jamais vous moquer des couples qui souffrent. Il ne faut jamais te moquer d'un mari qui est coquifié par sa femme. Il ne faut jamais te moquer d'une femme qui est trompée par son mari. Il ne faut jamais te moquer d'un couple qui se déchire, qui est malheureux. Ne le faites jamais. Pourquoi? Ça attire la malédiction. Que dit la Bible? Proverbe 3, verset 34. Il se moque des moqueurs. Dieu se moque des moqueurs. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu se moque des moqueurs et fait grâce aux humbles. Proverbe 19, verset 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour les dos des insensés. Le jugement est prêt pour le moqueur et Dieu se moque des moqueurs. Lorsque tu te moques des couples des autres, Dieu se moquera de ton couple.
Lorsque tu te moques des couples des autres, Dieu va châtier ton couple. Ne vous moquez jamais. Tu vas dans une maison, tu trouves le mari en train d'insulter sa femme, ne rentre pas, tu commences à en parler partout. Ah, cette femme, on l'insulte. Tu vas quelque part, tu trouves une femme qui est attrapée en flagrant délit d'adultère et c'est ton histoire maintenant. Partout, tu commences à dire, tu commences à le dire, tu attires la malédiction sur ton couple. Sortez de ces choses-là. Aujourd'hui au Congo, on aime le scandale, on aime les ragots, on aime raconter des mauvaises choses sur les couples des autres. On se plaît à prendre des histoires ici, les amener là, s'asseoir, causer, rigoler, ça amène la malédiction. Lorsqu'un couple va mal, lorsqu'un couple divorce, lorsqu'un couple est détruit, va pleurer devant Dieu, va prier et demander la grâce de Dieu sur ce couple et Dieu bénira ton couple et Dieu bénira ton couple. Mais si tu te moques, Dieu va te frapper pour que tu sentes ce qu'ils sentent et que tu comprennes qu'ils avaient besoin de ta compassion. Alléluia. Ce n'est pas que nous devons encourager l'adultère ou les divorces et tout le reste, non. Nous sommes contre le divorce, nous sommes contre l'adultère, mais nous ne devons pas nous moquer de ceux qui divorcent et de ceux qui commettent l'adultère. Amen. Une autre chose, il ne faut pas envier ceux qui divorcent. Ça, souvent, ça arrive. N'enviez jamais ceux qui divorcent. Psaume 37, verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Un jour, un homme de Dieu divorce. Sa femme elle-même part, elle prend les bagages, elle s'en va et tout. Et puis un autre vient le voir et dit, « Ah, quelle grâce tu as eue, la mienne elle ne part pas. Comment tu as fait pour qu'elle parte ?» Si aussi la mienne pouvait partir comme la tienne, comme ça c'est pas moi qui l'ai chassée, elle-même est partie. Et j'applique la parole qui dit dans 1 Corinthiens 7, si l'infidèle veut partir, le frère est libre. Comme ça je suis le frère libre, elle devient l'infidèle. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte? Il y a des mariés comme ça qui envient même les veuves. Ah toi tu as eu la grâce, il y a eu Akoufianga, Penza, Bomo, Imoulaï, Akoufate. Fait bizarrement, mi bali mabe, bakoufa, nogite, nabasi mabe. Yo koufa ya tigali. N'enviez jamais les divorcés. N'enviez jamais une femme qui détruit son ménage et puis qui va vivre ailleurs et puis maintenant elle est plus belle qu'avant parce qu'il y a des femmes divorcées comme ça, elles divorcent à Bongi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elles divorcent et puis elles épousent un meilleur mari. Elle s'habille bien, elle devient jolie. Maintenant elle voyage dans le monde comme si vous êtes divorcé. Moi, Simbi. Et puis tu dis, Nzambi, Nzambi. N'envie jamais le païen dans ton cœur. Alléluia. N'envie jamais les divorcés. Un autre point. Ça, j'aimerais beaucoup parler aux célibataires. Il ne faut pas envier les célibataires quand tu es marié. Amen. N'enviez pas les célibataires quand vous êtes mariés. Exode 14, versets 11 à 12. La Bible dit, ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Israël est épousé par Dieu, par l'Éternel, et l'Éternel les amène et les amène en dehors de l'Égypte. Mais ils arrivent. Il commence à se plaindre, il commence à envier l'Égypte, il commence à aimer l'Égypte. Comme une épouse qui envie son célibat, enviant l'Égypte. Et à cause de cela même, Dieu les a frappés. À cause de cela même, ils ont commencé à faire dans le désert les choses qu'ils avaient vues en Égypte. L'Égypte, c'est comme le célibat. Il y a des gens qui se comportent comme Israël. Il est marié, mais il regrette son célibat. Il est marié, mais il ramène dans le mariage la vie du célibat. Il dit, mais j'étais bien avant. J'étais bien avant. Quand il voit des célibataires dans une fête, il continue à danser jusqu'à 2h du matin. Lui doit rentrer à la maison. Il les envie dans son cœur. Lorsqu'il voit un célibataire, il fait tout ce qu'il veut de sa vie.
Ah, il envie le célibataire. Quand il voit une fille célibataire, il dit, ah, elle est mieux que moi, il fallait pas que je me marie. C'est pourquoi, cher célibataire, ce que l'embi célibataire, kobalate, ato koli. Amen. Voici un secret dans le mariage. N'épousez qu'une femme fatiguée d'être célibataire. N'épousez qu'un garçon fatigué d'être célibataire. Si quelqu'un n'est pas fatigué du célibat, il va commencer à regretter sa liberté dans le mariage. Il va commencer à te dire, je ne voulais pas me marier, c'est toi qui m'as poussé. L'une des choses qui détruit le mariage, c'est des gens qui se marient sans avoir été fatigués d'être seuls. Vous voyez, Dieu a attendu que Adam soit fatigué d'être seul, qu'il ressente le vide, le besoin d'une femme pour l'endormir et lui donner une épouse. Tant qu'il n'était pas fatigué, Dieu n'avait pas donné. Est-ce que tu es fatigué d'être célibataire? Si tu n'es pas fatigué, continue encore. Et je suis très sérieux. Amen, hein? Ah oui. Moi, je vous dis, je voulais me marier à l'âge de 25 ans. Ça, c'était mon plan. Mais je vous assure, si je m'étais marié à l'âge de 25 ans, j'allais faire souffrir ma femme. Je n'étais pas fatigué d'être célibataire. J'aimais ma liberté là. Ma liberté. Tu veux rester à l'église jusqu'à 22h, tu restes jusqu'à 22h, il n'y a personne qui t'appelle. Marcelo, rentre à la maison, la nourriture est prête. Amen. Ça me faisait plaisir. Soyez dans une église, 3h, ngamoko. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas qu'elle a la paix bien? Elle a bien été? Tu veux porter des chaussures roses, un pantalon rouge, une chemise verte, yomo? Go, non même sur la timabé, mais balo au monde n'est pas classé. Tu veux manger un sucré du pain, tu vas manger un sucré et du pain. Mais quand tu te maries, tu le feras plus. Alors j'aimais ma liberté. C'était du genre, si seulement je m'approche d'une fille, tu fais seulement une petite erreur. Naboyo, en soi, c'était pas le problème de ces filles, c'était moi. J'avais peur de me marier, donc on a profité. Oui, certains milieux de vous, bobo et arabatoire, nyo, so, boza de moi célibaté, bobanga, robala. Ah oui, robanga. Tu as peur de perdre ta liberté, parce que quand tu te maries, tu perds ta liberté. Maintenant, tu vas pas dire je, tu diras nous. Tu vas dire madame. Avant, tu viens me voir, donne-moi ceci, je prends, je te donne. Maintenant, si tu me demandes, je dis attends, je cause avec ma femme et puis nous te donnons. Et ça va bon. Alléluia. Tu peux me dire, pasteur, il y a telle chose qu'on doit faire. Je dis, je dois demander à ma femme parce qu'on avait prévu autre chose. Et si elle est d'accord, on change de programme. Pourquoi? Je ne vis plus seul, je vis avec quelqu'un. Je ne peux plus décider que désormais, toi, venez dormir à la maison. Non. Je dois le décider avec ma femme. Mais quand j'étais célibataire, il y avait au moins 5 hommes chez moi. Négo, là, la caca, t'es débrouillé. Mais aujourd'hui, bimelangara, oh là là, t'es. Alléluia. Quand tu es jeune fille, tu peux décider, Mikolo Mombondo et Bimi, Mombondo, oh Colan, oh Lati. Mais quand tu te maries, Mombondo te, Nunute, oh là t'as Mombondo te. Ah, moi je vais mettre à la page. Eh, si ton mari est déphasé, tu vas t'habiller déphasé en attendant qu'il comprenne d'être à la page. Donne-moi la main. Zabongo. Alléluia. Alors si tu n'as pas encore décidé de perdre cette liberté, ne te marie pas. Tu seras, tu te maries au Bali, au tabac, yo, ça bien. Un zongi déjà. Fais tu banda, tu es banda mais un zongi. Qui reste très tard dans les fêtes? Qui reste tard dans les fêtes? Laissez. Qui danse jusqu'à 3h? Laissez. Pourquoi? Personne ne l'attend là? Alléluia. Tu vois là? Tu peux être là, tu es célibataire. Tu aimes beaucoup danser à l'église. Tu sais, si tu te maries, la femme n'aime pas. Oh, dosé danse. En d'autres localisations. Moga. Eh, on change au danse. On change au danse. Qui
aime encore son célibat ici? Oh, qui aime encore son célibat? Et ce n'est pas une honte, oui. Écoutez, être célibataire, c'est une très bonne période de la vie. Oh, oui, oui, oui. Un mauvais célibataire sera un mauvais marié. Souvent, les mariés heureux sont des célibataires heureux. Il a été tellement heureux dans son célibat, il en est maintenant fatigué, il t'épouse, il te rend heureux. Mais celui qui n'a pas achevé d'être heureux dans son célibat, quand il se marie, aïna ba tchenge tchenge ya célibat. Et ce exemple. Bato ba sakanate na bumwana na ba joué. Et ça, l'année na kimkolo. Au moins, papa Mukolo, il y a pas Nintendo. Hein? Nintendo, yo, t'es là, Nintendo, on a trop Nintendo. Ben, t'as un mot à Mukolo. Nintendo, Nintendo. Arata qui? Qui vous moana? Au moins, on a oué la moana, on va jouer. Non, vous voyez, Billy Benza. À Sakanate, moi, vélo. Au moins, comme Mukolo, à ce matin, 50 voitures. 50 voitures à Mukolo, 50 voitures. Et ne, Ralanda, mais bando, somme, le va jouer. C'est pas comme dans Mbongo, bah, voiture, comme va jouer. Oui. Pourquoi? Quand tu rates une étape de ta vie, ça va te suivre. Et quand tu rates ton célibat, dans le mariage maintenant, tu voudras vivre ton célibat. C'est pourquoi ne te marie pas si tu n'es pas fatigué d'être seul. Quand tu n'es pas fatigué seul, tu vas toujours faire sentir à la femme qui vient dans ta vie, tu me déranges, tu m'étouffes. Tu vas faire sentir à l'homme qui vient dans ta vie, tu m'étouffes. Tu es où? Pouni ou tu n'as rien à faire avec toi? Ezabongo libala batuna rauza wapi? Ayupe yanyoso ezai bongo bongo. Moni yo mutolinga mulunge na butute. Kobaya nante. Poso kobali omaka libo omobwe ka ekanga yo na mulunga na ka supporta ngoka. Yamwe pe libala. Même tout ce qu'a les mangotés, pour nous autres, nous sommes boy. Zela, Olemba. Mais ce Olembi, au moins, il y a un peu de soupe. Qui est fatigué du célibat? Mariez-vous. Mariez-vous. Qui n'est pas fatigué? Ne vous mariez pas. Acclamons le Seigneur. Une autre chose, 21, il ne faut pas continuer à chercher le conjoint de la destinée dans le mariage. Il ne faut pas continuer à chercher le conjoint de ta destinée dans le mariage. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Voici cette fois, si. Amen. C'est dit. J'ai trouvé et c'est fini. Et vous allez remarquer que lorsque Adam, malgré la chute, est resté toujours avec Ève parce qu'il avait déjà trouvé la femme de sa destinée. Il y a des gens qui sont mariés, mais dans le mariage, ils commencent à se poser. Est-ce que c'était elle? Peut-être c'était Janine, hein? Hein? Parce qu'avec Janine, il y avait beaucoup de signes prophétiques. Hein? Mais celle-ci m'a embrouillé, hein? Tu es déjà marié. Quand on est marié, on ne cherche plus l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Et il y a des gens, elle est mariée, mais elle dit, Seigneur, est-ce que c'est lui? Même si tu pries, est-ce que c'est lui? C'est lui. Il n'y a plus à chercher. Ne cherchez plus l'homme de la destinée. Une fois que tu es marié, cette prière-là, ne prie plus. C'est lui l'homme de ta destinée. Même si c'était la volonté permissive de Dieu, Dieu entre dans ta décision et ça devient aussi son choix. Amen, hein? Ne cherchez pas dans le mariage l'homme de la destinée. Vous l'avez déjà trouvé. Même si vous maltraitez, c'est lui-là, c'est lui. C'est lui. Transforme-le en l'homme idéal. Amen. Amen, hein? Ah oui. Sinon, l'ennemi te dira, tu vois, ça ce n'est pas le plan de Dieu, voici le plan de Dieu. Vous allez entendre une doctrine qui circule dans la ville. Voici cette doctrine. Il y a un verset qui dit, que personne ne sépare ce que Dieu a joint, n'est-ce pas? Ils disent alors,
Donc on peut séparer ce que Dieu n'a pas joint. Parce qu'il y a des mariages qui viennent du diable, des démons, de la volonté des hommes. Ça, on peut séparer. Ok, verset. Hein? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc on peut diviser ce que les hommes ont uni. Et puis dire, est-ce que nous sommes là, la volonté de Zam. Disez volonté de Zam, Dieu ne vous a pas unis, on peut vous séparer. Faites attention. Il y a un autre verset qui dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il faut toujours lire, il est écrit et il est aussi écrit. Lorsque tu n'es que dans un seul verset pour faire une doctrine, tu seras dans l'hérésie. Il faut prendre beaucoup de versets pour faire une doctrine. Amen. Pensez à la descendance. Pensez à la descendance. Deutéronome 5, verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Voici. Lorsque vous voulez divorcer, pensez à la descendance, car Dieu frappe les enfants à cause des iniquités des parents jusqu'à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Si tu es marié et tu as des enfants, tu divorces. Si tes enfants sont des païens, la porte que tu ouvres à l'ennemi est ouverte dans leur vie. Si tes enfants sont des chrétiens, cette porte n'est pas ouverte dans leur vie parce qu'ils sont en Christ. Amen. Si tu es en Christ là, tes parents divorcent, ça ne te touchera pas parce que tu es en Christ. Mais ça va toucher tes autres frères et sœurs qui sont des païens parce que eux haïssent Dieu. Alors, chers parents, vos enfants ne prient pas, ils ne connaissent pas Dieu, vous divorcez, vous créez d'autres divorcés. J'étais étonné le mercredi quand j'ai demandé à ce que tous ceux qui proviennent des familles de divorcés, des familles détruites, des familles où papa n'est pas là, maman est là, c'était le trois quarts de l'église qui était venu. Amen. Pour dire qu'il y a des sérieux problèmes dans les familles. Alors, lorsque un père montre un mauvais exemple à son fils aussi cherchera à le faire lorsqu'il est païen. Un chrétien va dire, papa s'est trompé, je ne le fais pas. Mais ton frère qui est païen, lui va dire, je ferai comme papa, je ferai comme maman. Pensez toujours à vos enfants lorsque vous voulez divorcer. On dit que Hitler est sorti d'une famille détruite, voilà qu'il a engendré la guerre mondiale. La plupart des hommes qui ont maltraité ce monde sont sortis des familles de divorcés. Beaucoup de tueurs sont sortis des divorcés. Papa les a abandonnés et il reste en train de souffrir. On lui donne une arme, commence à tuer les gens et il commence à tuer son père dans toute personne. Certains meurtriers qui tuent, ils ne vous tuent pas. Ils tuent son papa qui l'a énervé dans toute personne. Vous qui avez déjà des enfants et qui avez des pensées de divorce, réfléchissez très très bien sur le sort de vos enfants. Dieu vous demandera des comptes lorsque vos enfants vont devenir des koulounas, vont devenir des divorcés, vont devenir des hommes qui maltraitent cette terre. Dieu vous demandera des comptes pour ces enfants-là. Alors quand vous pensez divorcer, il ne s'agit pas que de vous deux. Il s'agit aussi de la descendance, de la progéniture. Lorsque vous vous mariez à deux, gloire à Dieu. Mais quand les enfants sont dans l'affaire, Dieu vous jugera pour ce que deviendront ces enfants. Il y a des enfants qui sont très attirés par le mal. Le seul frein, c'est papa et c'est maman. Papa est tellement colérique, tellement autoritaire qu'il dit non, papa, il ne va pas accepter ça. Maman ne va pas accepter ça. Il suffit que vous vous séparez. Papa qui était autoritaire s'en va. Du coup, il commence à dominer sa maman qui est faible. Il commence à toucher à la drogue, revenir à 2h du matin. Et ça devient un enfant détruit qui va créer une famille détruite. Et Dieu le punira lui et punira les parents. Vous qui avez abandonné des enfants quelque part, tu abandonnes un enfant quelque part, tu t'en fous de ce qu'il est devenu. Au dernier jour, cet enfant sera un jugement contre toi.
un jugement contre toi. Voyez Abraham, il prend Ismaël, il envoie dans le désert, mais Dieu s'est occupé d'Ismaël, même s'il était le fruit d'une volonté permissive, Dieu lui a donné de l'eau et Dieu a fait de sa progéniture des milliardaires. Les musulmans, les arabes sont des milliardaires, ils sont sortis de qui? D'Ismaël, qui était l'enfant rejeté, mais Dieu a pris soin d'Ismaël. Et il y a beaucoup de papas qui sont des Abraham, qui ont laissé des Ismaël, qui crieront au dernier jour. Au dernier jour, aujourd'hui, la descendance d'Abraham a des problèmes. Pourquoi? À cause de ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, les Arabes bombardent les gens et sont en train de tout le temps chercher des problèmes aux Juifs à cause d'Abraham. Alors l'enfant là que tu laisses, c'est un tout petit bébé. Quand il grandira avec des blessures, où est papa? Il va à l'école. Tout le monde a son papa. Il va dans la fête. Tout le monde a son papa. Le jour de sa dot, papa n'est pas là. Le jour qu'il a une licence, papa n'est pas là. Le jour qu'il a un boulot, papa n'est pas là. Il a une colère. Et puis il se décide de se venger sur le monde entier. Azu bomba, bombardé mboka mobimba, beaucoup fier un million. Faites très au sérieux au mariage. Amen, hein? Parce que mariage veut dire bébé. Dis bébé. Otongtobala, hein? C'est-à-dire bébé. Alléluia. C'est de l'immaturité que de prendre des décisions, vous deux. Vous oubliez qu'il y a des enfants qui vont vivre des effets collatéraux. Amen. C'est pourquoi, voici 23. Quel genre de parents as-tu? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Quel genre de parents as-tu? Qui a des bons parents ici? Qui lève la main? Fait que vos parents soient là, ils allaient être très fiers de vous. Alléluia. Mais la plupart n'ont pas des bons parents, n'est-ce pas? Tu dois connaître le genre de parents que tu as ou que tu as eu s'il est décédé. Ézéchiel 18, verset 2 nous dit, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui paie c'est celle qui mourra. Alléluia. En Israël, il y avait un adage qui disait que si le père commet le péché, ça touchait ses enfants. Mais Dieu prophétise dans Ézéchiel 18, versets 2 à 4, qu'il y aura un temps de grâce, où le péché des parents ne touchera pas les péchés, ne touchera pas la descendance. Mais cela ne s'applique qu'aux gens qui sont en Jésus. Si tu es ici, tu n'es pas en Christ, sache que les péchés de tes parents te touchent et t'atteignent. Et si ton père est un impudique, si tu es païen, l'impudicité va te chercher. Si ton père est un ivrogne, l'ivrognerie va te chercher. Si ton père est occultiste, les esprits d'occultisme vont te chercher. Si ton père est polygame, l'esprit de polygamie va te chercher. Si ta mère est une mauvaise femme, l'esprit d'insoumission te suivra. Si ta mère est impudique, l'esprit d'impudicité te suivra. Si tu n'as pas Jésus, c'est ce qui va t'arriver. Je vous assure, c'est vrai de vrai. N'est-ce pas que vous connaissez des tribus d'impudiques? Vous connaissez, non? Tribus impudiques, n'est-ce pas? C'est comme s'ils ont une école d'impudicité dans leur tribu. Où chaque fois qu'ils naissent, on leur injecte un produit impudicité, n'est-ce pas? Vous connaissez des tribus des ivrognes, n'est-ce pas? Vous connaissez des tribus des polygames, n'est-ce pas? Alléluia, c'est comme s'ils ont la polygamie dans le sang. Il ne peut pas se contenter d'une femme. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il y a un esprit dans son père, dans son grand-père, et lui n'a pas Jésus, et cet esprit entre. Si tu veux te défaire de l'esprit qui est dans ton père, de l'esprit qui est dans tes grands-parents, la seule solution, c'est Jésus qui peut arrêter cela. Si tu n'as pas Jésus, tu vas reproduire la vie de tes parents. Et je vous dis, c'est vrai. Parce que le diable suit quoi? Le sang. Amen. Regarde quelqu'un. Il va chez le féticheur. On lui dit seulement, mets ton sang dans cette assiette. C'est tout. Il met son sang dans l'assiette, il t'en va. Mais les démons commencent à agir dans sa vie, dans ses enfants. Pourquoi? Parce que le sang, c'est lui-même. Alléluia. Le sang, c'est lui-même. Et le sang que tu as, quelqu'un te l'a donné. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as le sang de quelqu'un. Maintenant, cette personne qui t'a donné son sang, c'est quel genre de personne? Si c'est un mauvais sang, seul le sang de Jésus
peux purifier ce sang. Mais si tu n'as pas Jésus, je te dis, tu seras un mauvais mari comme papa, une mauvaise femme comme maman. C'est pourquoi, dans ses enseignements sur comment vaincre l'esprit de divorce, seul Jésus est la solution. Seul Jésus est la solution. Je vous dis la vérité, si moi j'avais pas donné ma vie à Jésus, je ne pouvais pas être un bon mari, j'allais être un mauvais mari. Voici ce que je disais quand j'étais célibataire. Pour les apparences, je vais épouser une femme, mais dans la réalité, des femmes. Ça c'est ce que je disais. Jeune que j'étais, j'ai 14 ans, mais je dis à la maison, momi moko, comme on disait, momi moko. Mais dans la vie, des femmes, tu as 14 ans, tu es en train de le dire. Tu le dis pourquoi? Tu vois les oncles, tu vois. Toi aussi tu dis, je dois continuer. Alléluia. Qu'est-ce que tu sens lorsque tu veux te marier? Quelles sont ces décisions ou ces prédispositions naturelles qui sont en toi? Est-ce que tu sens des prédispositions à la fidélité en toi? Tu sens des prédispositions à la soumission? Il y a des femmes qui disent aussi, moi je vais épouser un homme, mais je vais le faire souffrir. N'est-ce pas? Il y a des femmes comme ça. Je vais le faire souffrir. Moi, un homme ne peut pas dominer sur moi. Pourquoi? Maman n'était pas soumise. Elle s'est dit, mobaleur, matelangate. D'ailleurs, on l'éduque comme ça. Nengozo kendeliba la wana, hein. Mobalwana sakanana yote. Azoyelo, mekomon. Bombe téléguidée. C'est pourquoi vous devez étudier vos origines. Et si tu es en Christ, Jésus-Christ a anéanti cela. Si tu n'es pas en Christ, tu dois te donner en Christ. Sinon, tu vas reproduire ce que papa et maman ont fait. 24e. Sachez que l'autre n'est pas vous. Amen. Sachez que l'autre n'est pas vous. C'est une personne totalement différente de vous. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, homme et femme. Homme, ça veut dire ish. Femme, ça veut dire isha. L'homme, c'est ish. Femme, isha. Amen. Voici. Si tu te maries, et là, j'aimerais parler aux célibataires, tu penses que tu vas épouser un homme comme toi. Tu auras un problème. Tu voudras que ta femme soit tout le temps forte, comme un homme. Si elle te dit elle est fatiguée, tu ne comprendras pas parce que tu penses qu'elle est un homme comme toi. Si elle est fragile, tu ne comprendras pas parce que tu penses que c'est un homme comme toi. Tu voudras que la femme se comporte comme toi alors qu'elle n'est pas toi. Tu voudras que l'homme se comporte comme toi alors qu'il n'est pas toi. Les femmes sont des cercles, les hommes sont des carrés. Alléluia. Les hommes sont très rationnels, les femmes sont très sentimentales. Et la Bible appelle la femme le sexe fragile, le sexe faible qui a besoin de protection. Quand tu épouses une femme, tu vas savoir qu'elle est fragile. Vous voyez quand on met certaines marchandises dans l'avion, quand c'est fragile, on écrit. Amen. Pourquoi ce sont des verres qui peuvent se casser? On les transporte différemment. Des chaises qu'on peut jeter, des valises qu'on jette, on les prend. Pourquoi? On sait que c'est fragile. Si tu ne sais pas que tu épouses quelqu'un qui n'est pas toi, tu vas penser qu'il est toi. Tu aimes le riz, tu penses que l'autre aime le riz. Amen. Tu vois, quand tu manges le riz, yo, oh, oh, bavé. Mais il y a pas ça qu'un kélé. Esaïe. Amen. Hein? Azaïoté. Toi, tu aimes ceci? Beaucoup, mais lui n'aime pas beaucoup. Ne le force pas si ce n'est pas un péché. Amen, hein? Si ce n'est pas un péché, il y a des choses que toi tu aimes beaucoup. Lui, il les trouve normales. C'est lui. Il y a des choses que Marie, tu aimes. Elle n'aime pas trop. C'est elle. Elle n'est pas toi. Amen, hein? Omi balate. Alléluia. Ainsi, souvent dans les mariages, il y a un problème. Tu penses en soi que tu épousais ta jumelle en femme ou ton jumeau en homme. Non, tu épousais quelqu'un qui était éduqué par d'autres parents, qui est d'une autre peut-être tribu, qui n'a pas ton âge, qui n'a pas étudié là où tu as étudié, qui n'a pas vécu là où tu as vécu,
qui a grandi à gauche, tu as grandi à droite. Donc, mouta mouta o loko tabi loko ne ensomema yango. Alléluia. Toi, peut-être, tu es sorti d'une famille unie. Lui, il est sorti d'une famille divisée. Amen. Toi, peut-être, tu as beaucoup étudié. L'autre n'a pas beaucoup étudié. Peut-être, toi, tu es très bien éduqué. L'autre n'est pas très bien. Vous êtes différents. Amen. Hein? Et maintenant, quand tu sais que vous êtes différents, ça te permet de comprendre l'autre. Quand tu ne comprends pas, c'est parce que tu penses que l'autre est toi. Il n'est pas toi. Alléluia. Les femmes aiment les caprices. Amen. Hein? Maintenant, quand toi, tu es un homme, bon, il y a des caprices. Pas à moi si. Pas à moi si. Pas à moi si. Pas à moi si. Donc, tu as été. Même marcher, elle doit faire des trucs. Même parler, elle doit faire. Ok, on va boiter. Et le René Zap. Zambé Moutassala Bango. Bongo. Amen. À cause d'un procès, il y a un peu de temps. Mais il faut insister à Zwango. Mais. Nanga kase o boyaki te na boyaki te nanga ndo insiste. Oh. Do bino za bobo lo ko me bozo lingango. Me bobali na lingite. Na lingite. Me masi na boy eza na ndimi. Me insiste. Vrai ou faux? Tu peux venir comme ça. Chérie, viens, on va sortir. Elle dit non, je veux pas sortir aujourd'hui. Ah, on laisse. Oh, tu laisses facilement comme ça. Oh. Elle voulait que. Elle, elle ne veut pas que tu dis, chérie, on sort aux yeux, quand sa camarade, no, mutombo, bobimi. Il faut, chérie, est-ce qu'on peut sortir? Non, je vais. Mais non, ça va te plaire. Ah. Comme ça, elle sait à combien important. Et puis, nandimi. Et puis, on me mi. Mais ce qu'on a dit, ça me parle. Tobimi. Na ce côté à Tigano. Yo quand tu que amuna au grafte mona ko mima wa. Muyo sa mande nini. Na ngai to bima o boya ki. Na boya ki te. Oh, mo boya ki. Wone sa ko boya te, wone sa fier. Est-ce que je mens? Les noms des femmes n'est pas toujours non. C'est insiste. Persévère. Même des frères, vous êtes fiancés, tu vas, tu demandes la main à une femme. Tu arrives, non, je t'aime beaucoup, tout, tout, tout. Elle dit, je refuse. Yo, puis vous avez le babon à Boyaki. Même si vous avez Boyi. Combien de bonnes à Boyate? A me qui on a nous, na Boyanan. Na tambou senan. Soit l'inga, a tamboula. Yusko, a Boyaki, ok, go ba la place, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, vous avez déjà linga qui au kala, à sepela qui, ma boya bouka na mukolo na po, aux facilité trop aux anga ma solo. Il faut me lire solo, moi, zako tambola qui, comme ça, pa, miyo qui bien. Pour se rosier, osier, libéré là. Vous m'attendez, moussa, ta madame. Ma frère, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'olendo de côté, alléluia. Je termine avec un grand secret. Je crois que c'est le plus grand secret. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ta femme. Si tu aimes Dieu, tu aimeras ton mari. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimeras pas ta femme. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimeras pas ton mari. C'est pourquoi Paul dit que c'est la plus grande connaissance, l'amour de Dieu. On peut lire ce passage? Tenez-vous debout, on va lire ce passage pour clôturer. Éphésiens 3, verset 19. Le plus grand secret dans le mariage. Éphésiens 3, verset 19. Une, deux, trois. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Acclamez le Seigneur, asseyez-vous s'il vous plaît.
Ça, c'est le plus grand secret. Si tu veux vaincre l'esprit de divorce, tu dois aimer Dieu. Car celui qui aime Dieu a la connaissance la plus élevée au monde. Et je vous assure, c'est vrai. Quand tu aimes Dieu, directement, tu vas aimer son image, n'est-ce pas? Et son image chez toi, c'est ta femme, c'est ton mari. Imagine que je me promène, il y a ma statue quelque part. Je vois un frère de l'église qui est en train d'abîmer la statue. Je vais dire, frère, pourquoi tu le fais? Oh, pasteur, j'ai pas de problème avec toi. Moi, c'est la statue. Je vais dire, non, tu m'aimes pas, n'est-ce pas? Tous ceux qui aiment Lumumba, est-ce qu'ils salissent la statue de Lumumba? Non, c'est l'image de Lumumba. Quand tu aimes beaucoup Dieu, tu ne feras pas du mal à son image qui vit avec toi, qui dort avec toi, ta femme, ton mari. Chaque fois que tu feras du mal à ta femme, tu sais que tu as fait du mal à Dieu parce que ta femme, c'est son image. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je suis arrivé à comprendre ceci. Que tu peux reconnaître la spiritualité d'un chrétien par la qualité de son foyer. Je répète. Tu peux reconnaître la spiritualité d'un chrétien par la qualité de son foyer. Un homme spirituel, un vrai, rend une femme heureuse. Une femme spirituelle vraie rend un homme heureux. Pourquoi? Elle aime Dieu. Elle doit aimer l'image de Dieu. Si je ne peux pas insulter Dieu, comment je vais insulter ma femme? Si je ne peux pas être infidèle à Dieu, comment je serai infidèle à ma femme? Si je ne peux pas blesser le cœur de Dieu, comment je vais blesser le cœur de ma femme? Frère, toi qui es spirituel, tu vois la spiritualité que tu as là? Ça va t'aider dans le mariage. Tu sens, comme tu aimes Dieu, ça va t'aider dans le mariage. Tu auras du mal à haïr ta femme, tu vas commencer à lui pardonner facilement, tu vas commencer à la comprendre facilement. Pourquoi? Tu aimes Dieu. C'est pourquoi qu'est-ce que Satan fait quand il veut détruire ton foyer? Il détruit ton amour pour Dieu. Il sait que si tu n'aimes plus Dieu, tu ne vas plus aimer ta femme et ton mari. C'est pourquoi il attaque ta vie de prière, ta méditation, ta sanctification. Il sait que s'il détruit ta communion avec Dieu, il va détruire tout ce qui dépend de cette communion. C'est pourquoi tu vas remarquer, quand tu es très spirituel, tu es un bon mari. Quand tu deviens moins spirituel, tu deviens un mauvais mari. Pourquoi? L'amour que tu donnes à ta femme vient de l'amour que tu reçois de Dieu. Je prends chez Dieu et je donne à ma femme. Mais si je ne prends plus, je n'ai plus rien à donner. C'est pourquoi tu vas remarquer, quand tu deviens rétrograde aussi dans ton foyer, il y a des problèmes qui commencent. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un qui était spirituel, quand il devient charnel, il commence des bêtises dans son foyer parce que l'amour de Dieu l'a quitté. C'est pourquoi vous remarquez dans l'église, lorsqu'un homme ne sait pas diriger sa maison, il ne peut pas diriger la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ta femme ou ton mari que tu vois? Prenez soin de votre spiritualité. Prenez soin de votre amour pour Dieu. Ce sera votre arme lorsque vous allez vous marier. Et si vous êtes marié, je vous dis, de cela dépend votre foyer. Le jour que vous perdez cela, vous détruirez tout. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Nous avons clôturé ces enseignements. Enfin, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ?